Après avoir travaillé plusieurs années dans l'aviation, Louis Breguet revient à ses premières amours. Villacoublay, le gyroplane Louis Breguet effectue son premier vol d'essai piloté par Claes. Les hélicoptères réalisés jusqu'ici manquaient de stabilité et s'ils avaient la faculté de s'élever verticalement, ne possédaient que très imparfaitement celle de se déplacer horizontalement. Cet appareil laboratoire... S'appuyant sur tout ce qui a été tenté avant lui par les pionniers, il parvient à réaliser une synthèse et crée en 1936 le gyroplane. Une machine stable, rapide et autonome. C'est le premier hélicoptère moderne de l'histoire de l'aviation.